Ce matin, Eva Lopez, cantatrice et propriétaire de l'hôtel Château Mercues, a été retrouvée pendue au lustre de sa chambre. Or, vous savez à qui ça revient, tout cet argent? À vous tous. Mais je plaisante. Vous verrez, le château de Mercues, c'est vraiment classe. Oh, saison, ça risque d'être très tranquille. Maman, oui, t'inquiète pas, je te rappelle tout à l'heure. La fille, elle a retiré sa culotte, non? Mais non. Mais si. Oh. Nous n'avons pas de grandes serviettes. Ah, ça déboule, tiens, vous allez avoir besoin. Et vous faites quoi? Moi, j'écris un livre sur l'échangisme animalier. Oh. Je sais pas, mais là, j'ai l'impression que t'as senti quelque chose. Non, je crois pas. Et puis c'est qui les excités qui dorment au-dessus de chez nous? Madame Mercier, la vieille, la dame qui vous accompagne. Je suis désolé, Christiane, je vous dérange. Pas du tout, on vient juste de terminer. Qu'est-ce que t'as fait de tes poils? T'es jamais arrivé de penser que le sexe c'était comme une petite mort? Quoi? Vous y êtes pris comment? Pourquoi faire? Pour prendre Madame Lopez. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller là. En plus, il se fout de notre gueule, ce con. Partez en week-end. Vous verrez, ça change la vie.